Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas qui vous êtes. Et la première des choses que je dois accepter, si je veux être dans le thème de la civilité créative ou créatrice, c'est de prendre en considération qu'il y a je ne sais pas pour quelle raison je suis là, j'espère que Anne le sait, et je ne sais pas pour quelle raison vous êtes là, et j'espère que vous le savez. Et si nous voulons développer quelque chose ensemble, ou être dans des civilités créatives ou créatrices ensemble, moi j'ai besoin de vous connaître, certainement que vous avez besoin un peu de me connaître. Autrement, j'aurais le sentiment d'être dans un exercice stupide, un exercice coupé de toute réalité. Et à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de civilité créatrice. Donc, qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui je suis? Pour quelles raisons j'ai accepté de venir là m'exposer devant vous? Moi, j'ai à prendre la responsabilité personnelle de pour quelles raisons j'ai pris le risque de venir m'exposer là devant vous. Si je l'oublie, j'ai envie de prendre ma veste, mes affaires et de partir, parce que je suis impressionné par le silence qui est là, par autant de pères Dieu que je vois, et tout d'un coup j'entends le silence qui s'installe et je trouve ça impressionnant. Je sais que c'est impressionnant parce que je le ressens sur ma peau. Et je goûte au silence qui est là et à l'attention dans laquelle vous êtes. Et là, je me dis, je suis content d'être ici pour ce moment. Je suis comme au temple de la méditation zen, ou comme si je suis prêt à rencontrer quelqu'un d'important pour moi. Je suis ouvert à une qualité d'être, à une qualité de présence. Et par le silence dans lequel vous êtes et la qualité d'attention, le peu de gestes qu'il y a dans l'assemblée, je peux me dire que nous sommes ensemble. Il y a quelque chose qui peut commencer. Il y a quelque chose qui est commencé. Et voilà. Le début de les conditions pour moi d'une civilité, enfin d'être civilement ensemble, d'être humainement ensemble, commence à être réunie. Et je suis content d'être là, à cet instant. Et voilà, pour moi la journée est ouverte avec vous, et je ne vous connais pas, mais sachez que quand vous êtes comme ça, si vous venez vers moi, je suis d'accord pour vous rencontrer, partager l'apéritif, être au soleil ensemble, bavarder de la pluie du beau temps, parler de la médecine allopathique ou des autres, juste de la vie. Merci.